Golf TV Africa, la télé qui vous ressemble et qui vous fait du bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure de suivre votre émission, le grand journal du bien. Faites de la place autour de vous. Appelez vos voisins. Dites-leur que nous sommes là pour vous faire du bien chez vous, dans vos maisons. Et voilà ce qui est bien. Raphaël Duvien, Oh, du bien. bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Bonjour. Alors. Oui, nous sommes là, chers amis du Grand Journal du Bien. Merci de nous recevoir chez vous. Recevez les bénédictions du Grand Journal du Bien. Ça vous fera du bien et c'est ça ce qui est naturellement. Alors. Mesdames, Messieurs, c'est naturellement bien Valère Dubien qui devrait être avec nous sur ce plateau est appelé sur d'autres fronts de lutte. Nous, nous sommes là, Raphaël Dubien et moi, accompagnés du jeune réalisateur, le grand Manitou de la 3D. Arnaud Dubien, il est aussi là pour nous accompagner chez vous. Les amis de la diffusion également sont là. Toute l'équipe est en place, mesdames, messieurs. Et ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, nous allons vous montrer des images. Et des images qui vous feront du bien naturellement. Et ça aussi, c'est bon. Rappelez-vous bien. Oh, du bien. Alors. Ah oui. Nous sommes en janvier, naturellement. Naturellement, le Alors, premier mois de l'année. le premier mois de l'année, et je crois, comment ça se passe chez vous? Ah, naturellement, ça se passe pas mal. Non, dites la vérité pour que les téléspectateurs vous disent également la vérité, puisque vous savez de quoi je parle. Oui, nous savons que comme tout le monde le sent Oui. en cette période, Oui, on sent quoi? Tout le monde sent quoi? On sent quoi? la fraîcheur. La fraîcheur. Mais la matin a disparu un tant soit peu, hein? La fraîcheur gomentale. Donc, il fait frais dans la poche. Ah oui. Il Il fait fait frais. tellement frais dans la poche. Vraiment, hein? Hein, parce que Ah, je crois ouais. que personne ne me dira pas qu'il fait chaud là-bas, Ah, mais il fait ouais. frais. Il fait véritablement frais. Hein, Les poches voilà. sont trouées. Véritablement vides. Arnaud Dubien. Rock du bien. Alors, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, et chez vous? Ça va. Le mois de janvier. Ouais, on essaie de le gérer. On essaie de le gérer, non? Voilà. Vaille que vaille. Vaille que vaille, justement. Même si. Si on a envie de pleurer, Oui. Il ne faut pas il pleurer. faut pleurer à À l'intérieur. l'intérieur, gardez toujours le sourire. Donc, il faut donner la patience aux gens. Vraiment, hein? En tout cas, Dieu va nous aider. Amen, Et nous amen. allons traverser ce mois. Et nous retrouver de l'autre côté de la rive. Naturellement. Voilà. Voilà. Merci à vous. Alors, Rock Raphaël Dubien? du bien. Oui? Mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'incriminer seulement le mois de janvier. Mais Non, est-ce que c'est le mois de janvier seul? Raphaël Dubien, Rock du c'est bien. vous qui avez raison, hein, parce que le mois de janvier, c'est vrai que c'est un mois long, un mois très long, et pendant que les fêtes s'approchaient, on devrait déjà s'organiser autrement. Mais puisque il y a la Noël, passer la Noël avec les enfants, et après cela, une semaine après, la fête du Nouvel An. De la Et il faut nouvelle année. fêter naturellement. Et c'est là où on vide toutes les poches. Et on se retrouve à néant. À plat. Donc, nous allons demander à nos chers téléspectateurs qui nous suivent que les fois à venir, il faut que chacun s'organise autrement pour que le mois de janvier ne soit plus long, puisque aujourd'hui, là, c'est long.
Même moi-même qui vous parle, et Rafiou même qui vous parle là, c'est véritablement long. Même Arnaud Dubié qui est derrière la baie vitrée, c'est aussi long pour lui. Dieu fera, nous allons passer ce mois hein, dans la gaieté et dans la joie. Alors, Rafiou Dubié. Oh, Dubié. Il est bien dit que une mission, les hommes, les moyens. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, dans ce village, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Et qui se passent en bien, naturellement. Naturellement, oui. Et nous allons demander à Arnaud Dubié, naturellement, de nous montrer ce que nous avons vu. Quand nous étions dans la ville de ce village, la ville vitrine de ce village. Hein? Ville vitrine, vitrine de ce village. Arnaud Dubié, allons-y. Voilà. C'est ça. Oui. Vous avez vu quoi? Un poulailler. Hein? Un poulailler. Dans poulailler, il y a brasseur. Ah oui? Nous sommes ça, c'est... au 21e siècle. Donc, ça, donc, c'est un poulailler moderne. C'est un poulailler. Poulailler moderne. Ah oui? Il y a des gens qui travaillent là. Hein. Ah bon? Moi, j'ai cru que c'était un poulailler. Parce que... Poulailler à étage. Exactement, parce qu'aujourd'hui, la modernisation de l'élevage, on peut faire ça en haut. Les poulets vont faire les escaliers comme ça. Pian, pian, pian. Pour aller en haut. Pour aller en haut et descendre encore. Ouais. Ils vont boire de l'eau en haut et descendre manger en bas. Chers téléspectateurs, c'est ça en 21e siècle. Ouais. Voilà, c'est ce que vous voyez. Vous avez vu? C'est bureau. Un bureau. Bureau poulailler. Au 21e siècle. Naturellement. Encore. Et ça, c'est dans le 5e arrondissement. Exactement. Hein? 5e arrondissement. Et plus précisément où, Rafiou Dubié? Précisément à Squagbeto. Squagbeto? Bien. Gbeto là. Quand on dit Gbeto là, ça veut dire quoi? Gbeto. Au bord de la forêt ou bien des herbes. Voilà. Vous voyez, voilà les escaliers. Par là, les poulets vont monter. C'est les poulets qui montent Non, nous sommes allés découvrir. Voilà. Vous voyez, ça là, c'est le système électrique de ce poulailler là. Là, il y a des personnes. Il y a deux bureaux. Deux bureaux bien précisés. En haut. Un en haut, un en bas. Et ce qui est en bas, c'est quoi? C'est la recette. Perception. Qui garde notre agent de impôt. Non, attends. C'est pas agent. Quand on dit recette, perception, là, on reçoit et on perçoit. Voilà. On reçoit et on perçoit. Et on perçoit. Et c'est en bas. Et celle-là, c'est un service public. Voilà. C'est ça. Et qui est rattaché au ministère des
Des finances. Voilà. Des finances. C'est là-bas, on fait ça là, on parle de ça là. Koudi. Wari. Eh. Voilà. Donc. Mais nous avons constaté là-bas. Oui. Parce qu'on nous a bien décrit ce que c'est que ce bâtiment-là. Oui, expliquez. À gauche, il y a Rwanda. Il y a quoi? Rwanda. Mais en haut, il y a Somalie. Voilà. À droite, il y a Afghanistan. Hein? C'est que il y a, c'est le tout mélangé. Voilà. C'est du brouhaha. Voilà. Ouya. C'est le village Ouya Ouya. Je vous jure. Au cœur du village Ouya Ouya. Mm. Voilà. Voilà. C'est ça. Mm. C'est ça. Regardez. Mm. Voilà. Ça, c'est Agbeto, hein. Cinquième arrondissement. Arrondissement. Annexe, bureau annexe. Annexe. Mmh. Mmh. Parce qu'on n'a plus besoin d'eux, on les a foutus là. Oui. Vous allez là-bas. Mmh. Où est le brasseur? Il y a brasseur dedans, hein. Brasseur brasse. Hein. Ça brasse l'air. Plafond. L'air pollué. Bien. Plafond. Bien plafond. Plafond moderne. Hein. Bien calé. Mmh. Avec. Avec un bois. Un poteau. Boiteux. Et vous voyez, c'est quoi? Non, hein. C'est là-bas, on n'a pas. Non. Ça, c'est des tulles. Là-bas, on n'a pas besoin de paraboles. Non. Pour avoir les ondes. Les ondes magnétiques. Ça, pour magnétiser le bureau. Comment vous voyez? Voilà. Les ondes ne rentrent pas les toitures. On n'a pas besoin d'antenne parabolique. Village Ouya Ouya. C'est ça. Oh, c'est trop bien. C'est malheureusement bien. Non, naturellement. Voilà. Et bien. Lorsque nous avons voulu savoir oui. Pourquoi ce service-là se trouve dans cet état, qu'est-ce qu'on nous a dit? Oui. L'État est une continuité et il y a hiérarchie, hiérarchisation des processus pour les réparations ou bien ceci est gâté, il faut passer étape par étape. Voilà. Hein, hiérarchie quoi. Voilà, voilà. Donc, c'est à cause de hiérarchie. La toiture est comme ça. Pas seulement la toiture, Raphaël Dubien. Mm. Est-ce que ce que nous venons de voir là, c'est la toiture seule qui est dans cet état? C'est la toiture seule, vous avez vu? Je pense que l'immeuble, l'immeuble doit être même rasé. Complètement parce que rasé. On a vu un monsieur dedans là. Non mais ça fait même pitié. Ça fait pitié. Lui, à son âge, il travaille dans de bonnes conditions. Yeah! Voilà. Et on nous dit que le CA du 5e arrondissement, le CA du 5e arrondissement, l'autorité lui-même, l'autorité en charge de ce service-là est bien informée. Il sait que ce bâtiment que nous voyons là est dans un état comateux, non, dans un bon état, mais bouche cousue, parce que il en doit. Lui ne peut pas dire. À ce qu'il paraît, Raphaël Dubien, il a tellement dit, il a tellement écrit, puisque dans ce village, il faut écrire, il faut écrire. Rien ne se fait plus à la volée. Il faut écrire. Ouais, il faut écrire. Et il a tellement écrit que les autorités municipales de cette ville vitrine hein, ne font quoi? Ah. Sont en train de réagir. Vraiment. Au village de Arnaud Dubien? Oui.
Monsieur Roque Dubien. Vous avez vu ces images-là? Vraiment, ce sont des images impossibles. Hein? On ne dirait pas que nous sommes dans la vitrine du Bénin, de notre village Oyaoya. Hein? Ça là là. Nous sommes où? Mon village au tréfaut du pays est meilleur à celui-là. Et ça, c'est dans le 5e arrondissement. Hein? Sincèrement, c'est un piège à homme. Il faut éviter de mettre des gens. Mais vous avez vu quand on déballait, on descendait les marches là. Les marches là, mais ça, c'est vous avez vu comment on faisait? C'est une catastrophe. Si vous faites erreur et que vous touchez les barres de fer qui servent de garde-fou là, mais vous allez vous retrouver à terre. Chute libre. Ce sera une chute libre. Quelque part où on perçoit de l'argent. Voilà. Et c'est avec des piquets, on tient le toit. Voilà. Là, c'est ça aussi, c'est bien. Naturellement. C'est naturellement bien. C'est voilà. Bien. Voilà. Donc, vous avez un message pour l'autorité. Amen. Arnaud Dubien. Raphaël Dubien plutôt. Amen. Roque Dubien. Après le CA. Mais il y a le chef du CA. Mais c'est ça que je dis, non? Ah. Parce que on nous a dit que le CA, d'abord le secrétaire administratif, le SA, lui se trouve quelque part à Bombanou, là-bas. Là. Bombanou, non? Mais là, le 5e arrondissement s'est jeté. Hein. Voilà, ils sont chanceux. Ils ont 3 départements. Découpé quoi? Déconcentré. Et voilà. Il y a Beto, il y a Bobanou. Là-bas, attention. Il hein. y a où encore? Il faut faire attention sinon les cornes de mouton, c'est Bobanou là-bas. Donc, le troisième, c'est à Tracodi. Voilà. Le grand siège. Voilà. Et c'est là où le chef d'arrondissement. Là-bas, il y a climatiseur. Et voilà. La fraîcheur, quoi. Là-bas, il fait bon vivre. Là-bas. Et les autres, là, il faut les mettre dans les conditions désastreuses. Non, non, non. Dans de bonnes conditions. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais. Maintenant, il faut s'adresser à qui? À qui de droit? Et c'est à qui? Hein? À qui? Aîné. Tiens, vous. Le chef de la ville vitrine du village de Ouyaouya. Ville vitrine. Koutonou. Je suis à vous. Koutonou. Koutonou. Le maire de la ville. Le CA est fatigué. Ses doigts sont totalement usés. Fatigué des cris. Mais maintenant, de vive voix là, le grand journal du bien. Oui. Va vous informer. Puisqu'il n'avait pas vu les images. Il n'a jamais vu ça. Vous voulez parler, vous vous adressez au maire. Ah oui, au maire. Le maire de la ville vitrine Koutonou. Monsieur Isidore. Et Nyolofou. Nyolofou. Voilà, bravo. Il ne faut pas mettre l'autre. Ah, attention. Une grande autorité. Mais pas n'importe quelle. Il a été ministre. Ministre de la décentralisation. En plus. Donc, il n'avait pas vu ça. Non, il n'a jamais vu. Le 5e arrondissement a ces difficultés-là. Non, il n'a jamais vu. Voilà, donc, oui, allez-y. Donc, monsieur l'autorité, de vive voix, le grand journal du bien vous informe. Voilà. Nous sommes maintenant vos yeux. Regardez les images encore. Regardez. Arnaud du bien, balance encore un peu. Regardez ça. Oui, regardez. Voilà. 5e arrondissement, Annès, bureau Annès. Vous voyez. Donc. Voilà, regardez bien. Faites-en quelque chose pour que cet arrondissement-là, cet annexe, soit dans de bonnes conditions et surtout sauver la vie de ce pauvre monsieur que nous avons trouvé dans ce taudis-là. Voilà. Oui. Sinon, il a des enfants. Voilà. Et c'est si nous montrons ces images-là, que ces enfants voient les conditions dans lesquelles le papa est en train de travailler, ils vont lui demander de rester à la maison. Vraiment. Donc, vraiment, Raphaël Dubien, vous avez tout dit. Vous avez tout dit.
Et nous allons nous adresser encore au maire de ce village, village de la ville vitrine, Cotonou. Monsieur le maire, puisque vous jouissez pleinement de ce titre désormais, monsieur le maire, monsieur Isidore Nyolofo, vous avez vu ces images-là? Ah, il paraît que c'est vous qui allez décider pour que ce service-là puisse trouver respiration. Si vous voulez, ça peut se faire. Et nous, le Grand Journal du Bien viendra vous voir. Nous allons venir vous voir et vous allez dire dans notre micro là ce que vous pensez de ce service-là. Ah, votre porte est verrouillée, hein? Parce que quand on a envie de vous voir là, c'est difficilement difficile. Nous allons venir. Nous allons venir. Allons du bien. Rock du bien. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Que nous irons le voir. Tout à fait. Qu'il nous dise réellement ce qu'il pense de ce service-là. De vive voix qu'il nous dise réellement. Voilà, voilà, voilà. Parce que il est difficile de le voir. Hein? Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Sa porte est tellement verrouillée que il faut chercher des marteaux masse pour pouvoir déverrouiller cette porte-là. Donc, mais nous irons le voir. Désormais, voilà. On ira là-bas avec ciseaux. Ciseaux. Gros ciseaux, là. Pour couper les cadenas qui sont là. Comment? Voilà. Voilà. Raphaël du bien? Ok, du bien. Je crois. Nous avons tout dit. Hein? On a dit ce qu'on peut. Hein? On a dit ce qu'on peut. Dès où vous mettez, bien, bien. D'accord. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, non, non. Merci. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Voilà. Parce que trop parler, là, ça tue parole. Ce n'est pas comme l'autre, hein? Hein? Au Cameroun, hein? Non. Voilà. Donc, ça... Voilà. Et nous allons remercier, pour finir, nous allons remercier nos amis de la diaspora, bien sûr. Ceux-là qui nous appellent, d'abord qui suivent l'émission, depuis le Congo, le Gabon. Le Gabon, voilà, puisqu'il y a un monsieur qui nous appelle souvent depuis le Gabon, oui. Il s'appelle monsieur Karim Lassisi et son épouse Rodiat Ogogo. 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 Rodiat Ogogo. Et Karim Lassisi depuis le Gabon. Oui. Voilà. Nous allons remercier également un monsieur qui nous appelle depuis la frontière Igolo. Igolo. Il s'appelle Rumbabe Prosper. Voilà. Voilà. Tout cela. Nous allons remercier tous les autres. Tous les autres. Hein? Le Cameroun, le Congo, Brazzaville, et le Nigeria, la Côte d'Ivoire. L'Afrique en général. Le Togo, l'Afrique en général. Nous sommes suivis partout, mesdames, messieurs. Nous vous remercions d'être toujours à l'écoute, de nous suivre toujours partout où vous êtes. Et nous sommes là, nous serons toujours là les lundis, les mercredis et les samedis pour vous montrer les images qui vous font du bien dans ce village Oya Oya. Et voilà ce qui est bien. Yeah! À lundi prochain, non? Naturellement. Lundi. Allez, on y va!